Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis, nouveau let's play de Hello Neighbor 2. Dans la dernière vidéo, on a fait la cabane du chasseur, on en a chié avec les têtes de sangliers et compagnie là. Finalement, on est arrivé à récupérer une petite clé et on se retrouve à nouveau devant le musée. Quelle porte ouvre cette clé les amis? C'est la question que l'on se pose absolument tous actuellement. Les plus grands scientifiques se penchent sur la question bien sûr. Alors, où est-ce qu'il est notre ami? Il est où? Je le vois pas. Je pense qu'il est encore là. Il vient d'ouvrir une porte, il est où? Je sais pas du tout. Je pense qu'il a pas le même pattern. On va passer par là. On va pas se cacher ici. Ici on l'a déjà fait. Hein. Il est où? Ah il est là-haut. Il est là-haut, je le vois. Ok. Bon il est en haut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette clef? Si j'appuie là-dessus, ça va le ramener, c'est sûr. Donc je suis obligé de passer ou par là ou par la porte d'entrée. Hein. Il est où? Bon, il squatte cette porte là-bas, donc il y a moyen qu'il y ait un truc à faire là-bas. C'est quoi ça? Il faut que je mette des trucs là-dedans. Ah, où est-ce qu'ils sont? J'en ai pas la moindre idée. Merde. Il va se ramener, c'est sûr. Sont ces engrenages. Il arrive. Juste là. Ok, il est parti. Il est où? Je sais pas où il est. Là-bas, ça va nous ramener dans la salle des trophées. Donc je pense pas que ce soit là. Ça doit être à l'étage du coup. C'est où à l'étage ou dans cette salle? Mais dans cette salle avec une clé, je vois pas trop ce que je vais faire de plus. Il est en haut. Hein. Je pense qu'il est en haut. Qui va ouvrir la porte les gars? Est-ce que je suis dans la merde? Il est juste là. J'ai quoi dans mon sac? J'ai encore la pelle. Je
prendre la clé au cas où je trouve la bonne serrure. Ça, c'est pour redescendre, donc non. Là-bas, il y a un cadenas. Il va traîner en haut, ça va être la misère. Ah, il traîne en haut à fond. Ça, c'était la pièce où on a activé le truc pour aller à la cabane du chasseur, donc... Ok. Ici, je peux me cacher absolument nulle part. Faut pas que je fasse de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un coffre. Avec un code. Une horloge. Ah, faut peut-être regarder l'heure de l'horloge pour avoir le code. On peut rien faire. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? Un espèce d'oiseau. Ça doit se mettre quelque part. Là, je peux rien faire là-dessus. Non. On peut sortir par là. Ok. Jamais on est en stress, on peut sortir par là. Ça, à mon avis, si je le descends, ça va ouvrir ici, sauf que lui, il est derrière. Est-ce que c'est le bon plan d'ouvrir ça maintenant? Y a pas plus ici, j'ai l'impression. Le code doit être sur l'horloge, je pense. Ça doit être l'heure sur l'horloge. Est-ce que je vais arriver à la voir d'ici? Ouais, je la vois mais pas assez, je crois. Je vais attendre qu'il sorte et qu'il rentre. Ça a l'air d'être 18h30, non? J'avais 18h30 moi. Ah, y a pas de zéro. Y a pas de zéro. Et pas là le code quelque part par là? J'espère qu'il est pas dans la pièce où il traîne là. Sinon c'est la merde. Ah mais en fait il y va et il roupille. D'accord. J'essaie de regarder là, hein, si jamais il est là le code. Ou je dois poser peut-être cette espèce d'oiseau chelou là-dedans, je sais pas où. J'ai pas beaucoup de temps en même temps. Est-ce que je pourrais poser ce truc? On entend pleurer les gamins.
est-ce que je pourrais poser ce truc? Faut pas trop d'endroits, je pense pas que c'est là. Où est-ce que je peux poser ce bidule? Et où est ce code de mort? Qu'est-ce qu'il regarde? Peut-être une armoire là-bas où je peux le poser ce truc? J'ai la tête de tout sauf de l'ours. Y a pas l'air d'avoir grand chose ici non plus. Où est-ce que ça peut être si c'est pas là? Après, qu'est-ce qu'on a là-bas? C'est fermé. Là, ça mène dehors. Là, c'est pareil. Ici, on l'a déjà fait. Oh. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas. Oh! What the fuck? Ok. Oh, un engrenage! Let's go, les gars! Déjà un. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Il est juste au-dessus là. On va attendre qu'il se couche, aller poser ça et aller se protéger.
Ok. Ok, maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je fais de ce truc en... Putain, du verre et tout. Ah non, c'est des plumes. Flipper ses poupées à lui. Hein. Psychopathe lui. Normalement, il peut pas me voir ici. Il est remonté, je crois. Faut que je remonte là. Faut que je retourne dans la pièce du début. Il est remonté, je crois. Je l'entends. Je sais pas où il est, je l'entends, mais je sais pas où il est. Pété au pied de biche, ça. Il est en bas, il est en haut. Tente de te coucher, papy, là. Si je le vois par là, si elle est à la porte. Je sais pas où il est là. Il est au talon. Et ben il est là. Merde. J'ai marché sur quoi, bordel? Il m'a pas vu passer là? Ah si, il m'a complètement vu passer, je crois. Tout va bien, tout va bien. Il descend?
En vrai? Une course là? Il est où? On est dans la merde les gars. Je fais trop de bruit là. Je suis pressé de monter. Et du coup je suis pas... Je suis pas en mode ninja. Je suis... Je suis pas en mode ninja quoi. Ça a l'air pas mal. Bon, ici. Qu'est-ce qu'on fait du coup? C'est ça la question. Ah, un poids. Ah! Poids. Est-ce que je pourrais pas le mettre derrière là? Il y a une petite plaque en fer. Il est là, non? Ça a marché? Je crois pas. Hein. Je suis pas sûr que ça ait marché. Je peux pas le prendre, donc il y a un truc qui a dû se passer là. Bien déjà, c'est la folie. Oh, c'était quoi ça? Ah, oh, ça a été déjà tout à l'heure? Qu'est-ce... On dirait vite fait un engrenage. Mais je suis pas sûr. Il y avait un truc tout à l'heure déjà là-bas. Autant je batte, attends, bon. Allez voir. C'est carrément un engrenage ça, ben voilà ce que ça activait. Ah il saute. Ouais il s'en erre. Hop, ni vu ni connu. Et de deux. Regarde sur quoi je marche là parce que... Oh, il m'en manque un. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Là, ça j'ai pas fait. Ça m'étonnerait quand même que ce soit là. C'était vraiment pour la télé, ça je pense. Là-bas, je pense pas qu'il y ait beaucoup plus. La salle principale, il y a rien. Sa chambre, ben je pense pas qu'il y ait beaucoup plus. Là-bas, on y est passé, on n'a rien vu. Ça a pas fait de bruit, c'est beau ça. Du coup, là-bas, ça m'étonnerait. Bon, ça, depuis le début, c'est clean, quoi. Ici, peut-être. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un tableau. Là-haut, j'y suis déjà monté, j'en avais pas vu. Le truc, c'est qu'il reste quoi d'autre après ça? Je vois rien là-haut. On l'a déjà fait. Hmm.
Le truc c'est qu'il nous reste quoi en fait comme endroit? Midi 24. J'en ai un pied de biche. Ouais. Je sais pas à quoi sert cet oiseau là. Au début, je me suis dit ça va se mettre sur la cheminée, mais même pas. Putain, il m'a entendu là, c'est sûr. Je pense pas. Ça, je l'ai ouvert quand? Ça, je l'ai ouvert la première fois qu'on est venu, non? Juste là. Il est reparti, je crois. Je me rappelle même plus ce qu'il y avait là-dedans. Ça fait quoi si j'ouvre ça? Ça ouvre le coffre? Ouais. Je pense pas que c'est là. Ça, ça ouvre juste là-bas. Je sais pas où faut que j'aille là. Beaucoup trop simple les amis. Ou beaucoup trop de chat là. Là pour le coup je pense que c'est surtout beaucoup trop. Ok. Force de mettre mon... Allez il va m'entendre c'est sûr. Faut que j'attende qu'il aille se coucher. Il m'a entendu direct. Il m'a entendu instantanément. Je suis pas là, cherche pas, papy. Il est remonté là? Je suis pas sûr qu'il soit remonté là. Ah, je pense qu'il est remonté. Mmh, 11h35. 11h35. Merde. Ça va être pour le coffre. 11h35, hein. Fais pas de bruit.
Alors faut que je fasse gaffe à travers ça parce qu'il peut m'entendre. Il est où ? Je le vois pas. Je l'entends mais je le vois pas. Ah, il était en bas ? What the fuck ? Allez, va te coucher, papy. Voilà. Onze trente-cinq, je crois. Oh, souvenir. Souvenir. Pas. Ok, on back dans la maze. On est back dans la maze. Bon, prochaine mission. Oula, ça a l'air grand là. Oh, ça a l'air immense. Ça a l'air immense, les gars. Et où cette maison? Là-bas? Ça a l'air d'être ça. Avec le haut, une fenêtre verte. Ouais, c'est ça. Bon, bah, let's go, hein. Nouvelle aventure. Nouveau défi. Il y avait un gars dedans. Ouais, rien que le jardin. Il y a une pelle. J'en ai une, normalement. Ouais. C'est good. Il y a une pelle ? S'il y a une pelle, est-ce qu'il n'y a pas un tas à démachiner rapidement là ? On va faire un petit tour du propriétaire. Ah. Oh, mais elle est immense sa baraque. Oh là là. C'est quoi ces trucs là ? Ça argose. Que vais-je faire de cette parle là? Terrasse ici, terrasse là-haut. Il n'y a pas l'air d'avoir de tas de... C'est quoi ça? Un siège? Ouais. Oh merde. J'arrivais où il y avait quelqu'un là? Ah bah tiens. Salut le yinch. T'es un gros tchin-tchin. Toi t'as la dalle. Toi il te faut... il te faut de la bouffe. Comment ça non? Bon, il y a un truc à faire ici. Alors toi il te faut que je te récupère de la bouffe apparemment. Pour pouvoir... Elle est cassée ma pelle, quoi, le bail. C'est où le mec là? Je l'entends. Je prends la neuve. Hein. Hop. C'est exactement la même. Hein. Moi, je peux pas peler, les gars. Je peux pas peler, faut d'abord que je nourrisse le yinch. Ok. Bon! Let's go! On va explorer un petit peu. Voir ce que ça dit. Il est là, le gars. Il a l'air d'avoir de la bouffe là-bas. Donc, déjà, ça sent le... l'histoire d'extincteur. J'éteins, je récupère la bouffe pour le yinch. Ouais, ça me paraît logique. Ouais, je peux pas la prendre. Ok. Oh. Ok, cool. Un Jazzyman.
Bon, la bouffe du lien, c'est là. C'est quoi ce truc là-bas rouge? Est-ce qu'on rentrerait pas voir un petit peu ce qui se dit là-dedans? Stylé. Je peux passer par là-haut peut-être. Il y a des trous en tout cas. Tu me vois pas. Où il va? Oh putain, je croyais qu'il allait venir. A l'air de pouvoir passer par là-haut. On peut l'activer ça. Ah, il a froid aux mains, du coup il arrive pas trop à jouer, je crois. Je pense que je peux passer par là-haut. Pas la fibre aujourd'hui, tonton. Il est bien sapé, par contre. Hein. Ça rigole ou pas? Ok. Alors, je peux monter là-haut, mais c'est quoi le but, du coup? Il y a un étage aussi là. Une trapounette. Ok. Ok, ok. Oh, ça a l'air immense. Ça, c'est pour le faire sonner, pour le ramener. Avec cette horloge? Absolument pas. Si je peux me cacher, ça c'est cool. On est où exactement? En face des escaliers, ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce truc? Oh, c'est moche ça. Pas l'air d'avoir quoi que ce soit ici à part ça là, mais bon, c'est laserifié quoi. Ok, on peut se cacher partout ici, c'est vraiment cool. Là on est dans le couloir. Ouais, que le genre de tableau qu'on peut utiliser pour faire des trucs, mais là, on peut faire rien, on peut rien faire sur aucun. C'est que ce truc, cette pièce chelou. Je peux voir à travers, ok. Ok. Il y a une échelle. Je l'avais même pas vu. Ça mène où ça? À des fenêtres. Il n'y a pas grand chose de plus à faire, j'ai l'impression. Je vois rien de spécial. Ah, il y a un... Ah non, c'est un pigeon. Il y a un truc là, mais c'est juste un pigeon. Pourquoi il y a une échelle ici? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de là? Passer sur une autre terrasse peut-être? Il y a moyen. Je pense que c'est ça. Passer sur la terrasse qui est là peut-être. On continue d'explorer par l'intérieur ou... À mon avis, c'est pour passer sur l'autre terrasse. Il y a une trappe là. On arrive où là? Oh, la cuisine. Ok, intéressant.
peut pas ouvrir. Là on peut, donc entre les deux il y a une pièce là, hein. Il y a la pièce cachée entre les deux. Juste là, là. Avec le truc des Illuminati et tout là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un truc à faire. Un bruit bizarre ici. C'est la télé qui fait ce bruit. Donc là il y a une pièce entre les deux, alors je sais pas comment on y va du coup. Par là je pense, regarde, on dirait qu'il y a un carré là. Pour l'ouvrir il doit falloir activer ce truc. J'imagine. Faire sonner, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour de vrai? Pas entendu je pense. Non ça va. Une espèce d'interrupteur là-haut, non? Bon, tu veux monter là-haut. Non, tu peux pas monter là-haut. C'est juste de la déco ça. Ah si, avec ça. Oh bah tiens. Ok. Ça. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il faut que je mette là-dedans? Espèce de pile, je sais pas trop. Je suis full en plus là. Ça va. Après la pelle, je peux l'acheter en vrai. Là, faut que je mette un truc là-dedans. Je crois qu'il vient. Ok, il vient. Sensible. Donc là faut mettre un espèce de truc, je sais pas ce que c'est mais il faut mettre un truc, ça c'est sûr. Je peux me cacher si je descends là? Oui, il y a une armoire là. Je peux rien faire là-dessus. J'arrive ou il arrive? Un espèce de trophée à la con. On va le mettre là-bas, non, ça m'étonnerait. À mon avis, ça doit être une espèce de manivelle ou... Je sais pas. Je crois qu'on a fait l'étage, là. Ah non, il y a une porte là-bas. Ah, là aussi, on peut passer là-haut. What? Il y a le grenier là-haut. Il y a l'air d'avoir une espèce de grenier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, il y a un code là. Ah, il faut poser des trucs là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut poser? Ah ouais? Bah voilà. Déjà. Hein. Faut que j'aille dans la cuisine après. Pas l'air d'avoir grand-chose. Par ici. Ah. What the fuck? D'accord. D'accord, d'accord. Je suis pas au courant de ça, moi. Rien d'autre de spécial.
Ici, il faut poser des espèces de trucs, alors. Hein. Je sais pas si j'ai posé au bon endroit, mais apparemment, oui. Je sais pas ce que ça va faire. Ok, faut que je descende, du coup, là. Ça va être super dur, ici. Hein. J'arrive déjà à récupérer cette bouffe, là. Tu m'as pas vu. Il y a des couleurs sur le piano. Chut. Il y a des couleurs. Est-ce qu'on a vu des couleurs avant? Ça me dit rien. Il y a l'air d'avoir une pièce avec une salle de bain. Carrément des quelque chose à faire là. Il y a totalement quelque chose à faire. Si on peut allumer l'eau, ouais. Quelque chose dans les chiottes peut-être. Il y a une petite porte là. Oh, c'est quoi? C'est quoi? J'ai pas vu. Merde, c'est pas cette salle. C'est l'autre. Est-ce que je peux le poser là, ça? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. À quoi ça sert alors? Oh, il y a un truc là aussi. C'est quoi? Ah, c'est juste un CD. Est-ce que je peux le poser, ce truc? Tellement de choses, c'est tellement grand. J'essaie d'aller dans la cuisine en deux spi. Je sais pas quoi en faire de son bateau là. Ah. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse. On va pouvoir prendre la viande pour le yinche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Je suis full là, non? Non, pas encore. Je peux faire sonner ça et sortir par là, du coup. Alors ici, je vois pas ce qu'il y a. À part l'extincteur. Je vois rien de spécial. Il va falloir vérifier les coussins aussi parce que c'est vite que t'as un truc à couper ou pas. J'arrive, le yinche. Ça suffit pas? Pour de vrai? De vrai, je me brûle encore là? Ah oh, putain, il a remis le feu.
pas vu, tu m'as pas vu. Ok, j'arrive le yinche. C'est le gueule, hein. T'es pas très content, j'ai l'impression. Elle est où la... Oh merde, la pelle est où? Non. Non. Bon, j'en ai jeté une vers là, à un moment donné. Elle est où? Putain, il y en a une à l'étage, mais... Oh, je suis dégoûté. Elle est où, celle... Elle est là. C'est quoi ce truc? Un sceptre? Une espèce de sceptre? Ok. Les amis, on va arrêter la VOD là. Je pense que le sceptre, faut le poser en haut. Sur là où on a mis le trophée. Et après, je ne sais pas du tout. Il va falloir qu'on regarde parce que il doit y avoir un truc avec les couleurs du piano, je pense. Mais comment, ça doit être quelque part, il faut qu'on cherche. Et comment faire pour pianoter dessus, parce qu'il fait des allers-retours très 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 rapides, il est assez sensible en plus. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Merci à tous d'avoir suivi cette VOD, on se retrouve très très vite pour la suite de Hello Neighbor 2. Abonnez-vous, ciao ciao.